Dans la série manga Dragon Ball, Cell est un organisme génétiquement modifié, créé à partir des cellules de plusieurs guerriers puissants, et destiné à s'améliorer encore en pourchassant pour les absorber d'autres créatures. Je crois que tu en as assez vu pour te rendre compte qu'il est inutile de m'opposer une résistance. Cell n'aura de cesse d'évoluer en absorbant cellules humaines et cyborgs entiers, présentant ainsi plusieurs formes successives, entre reptiles, scorpions humains et sauterelles ou scarabées géants. Face à une proposition sérieuse comme la célébration des cellules, ce cri d'amour envers le collectif biologique qui permet l'émergence de notre conscience, je ne peux m'empêcher d'entendre Cell ainsi au premier degré, celui d'une distraction populaire. En résulte, une grande silhouette peinte du personnage, ainsi qu'une petite tête de bois détourée et des feuillets rhizographiés, progressivement envahie par la multiplication cellulaire de ce furieux visage. Ce premier degré me paraît en réalité le lieu parfait de la rencontre entre surface et profondeur, comme une peau de lait bouilli, formée par la coagulation des protéines, et comme surtout les cellules des couches profondes repoussées dans la mort vers la surface de notre peau, membrane indispensable, sensible et protectrice, abeille vieillissante sacrifiée à de nouvelles tâches. Un indice. Un indice. Un indice. La présence, sur toute la surface de la grande silhouette d'un Cell partiellement effacé, et ainsi renvoyé au paysage qu'il survole, de petites taches de couleur, larges comme un coup de brosse appuyé, mais plus proches d'un haricot bien cerné que d'une trace de pinceau. Ces taches de couleur semblent flotter à la surface de la toile, comme des lentilles d'eau à la surface d'un étang, marquant ainsi la limite entre deux mondes, et favorisant la perception de cette limite invisible, là où l'œil aurait tendance à se jeter trop rapidement en avant. Ces artefacts, pixels aberrants, travaillent donc contre l'illusion de l'image en l'enrichissant. Premier calque ajouré, ils soulignent la silhouette qu'ils masquent partiellement, tout en la débordant çà et là, comme des spores erratiques emportés par le vent. Ils sont des points à relier pour des yeux qui aiment à travailler, mais aussi des œufs contagieux. Le germe d'une idée de la vie comme croissant sur les marges, les bordures, multipliant les lisières pour augmenter les surfaces d'échange. Une vie floue, où les corps abritent plus de bactéries que de cellules. Où l'ADN devrait se concevoir plus comme une multiplication d'identités entrant et sortant que comme la réduction d'un code enfin déchiffré. La vie est un mouvement arbitrairement isolé par l'œil dans l'eau d'un torrent. Ici, les taches de soleil dansent sur l'eau. Les couleurs expriment différentes émotions, voyageant dans le corps d'une créature presque parfaite.
des points d'énergie comme des étincelles courant le long d'une prairie. Les mots, les œuvres, ne sont plus les vitres transparentes dénoncées par Sartre, mais un langage sale et présent, une salutaire acupuncture du regard, où la puissante vision interne de nos organes ne nous amène pas au fond, mais à travers, sans pouvoir accommoder, sans netteté ni flou définitif, sans le cancer des certitudes. Celle, cette créature surpuissante, sera chantée par des cellules de peau morte, des pellicules sur les épaules de l'humanité, à la frontière incertaine des vivants.